Non, mais à ce moment-là, ouais, y a énormément de souvenirs qui me reviennent en mémoire, mais je pense que mon plus flagrant, ça a été ma première grosse victoire quand on était tout jeune avec les copains dans mon club de Saint-Aude, en Belgique. On a gagné 18-1 et j'avais pu mettre 11 buts à ma grande époque d'attaquant. C'était un bon souvenir. Première fois, bah, j'ai commencé le foot vers 6-7 ans, je pense. Maintenant, pour me souvenir du moment même, c'est compliqué. Mais bon, je me souviens que de la période, je vais dire, Benjamin Diablotin. Et c'était vraiment super. Mon premier but en tant que joueur professionnel, ouais, je m'en souviens. C'était lors de ma première apparition, club de Bruges contre Westerlo. Je ne sais pas si ça dira grand-chose. Mais c'était bon, je suis rentré 20 dernières minutes et on avait gagné, je pense, 4-5-0 et j'avais marqué le quatrième but. J'avais une distension du ligament latéral interne. Pour moi, c'était nouveau ce genre de vocabulaire. Par la suite, j'ai appris un peu ce que c'était qu'être vraiment blessé, mais c'était ma toute première blessure. Ronaldo, le Brésilien. Avec Cantona, bon, difficile à départager, mais je vais dire quand même Ronaldo, parce que ça a été un peu plus de mon époque. Mais ça a été, ça restera, je pense, pour moi, le joueur absolu.